Laetitia Hallyday, son rituel avec Jade et Joy sur la tombe de Johnny. Le 15 juin dernier, Johnny Hallyday aurait fêté ses 75 ans. Si les proches du rocker se sont retrouvés à Los Angeles pour lui rendre hommage, Laetitia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, se sont envolées pour Saint-Barth où elles visitent chaque jour sa tombe. Elles ont leur rituel. Chaque soir, à la nuit tombée, Laetitia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, rendent une visite émue à la tombe de Johnny Hallyday dans le cimetière de Lorient à Saint-Barth. Elles passeront les deux prochains mois de vacances scolaires sur l'île à la villa de Jade où traditionnellement la famille passe l'été. Il y a quelques jours encore, la veuve du rocker recevait du soutien de ses proches, Sébastien Farran et Maxime Nucci, bientôt papa, en tête, à Los Angeles au moment du premier anniversaire du rocker de sa mort en décembre dernier. Tous ensemble, ils se sont rendus sur le site de Joshua Tree, où Johnny Hallyday, biker, avait ses habitudes. C'est dans ce lieu très prisé des rockers et bakers américains, qu'ils se sont recueillis. Laetitia Hallyday est encore en phase de deuil, quelques mois seulement après le décès de celui qui a partagé sa vie pendant plus de 20 ans. Elle est aussi en pleine bataille judiciaire avec les enfants aînés du rocker qui ont contesté le testament qui les déshérite à son profit. Dans quelques mois, à l'automne, le public découvrira le dernier album du rocker sur lequel il a travaillé jusqu'à sa mort. Crédit photo, agence, Bestimage. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Laetitia Hallyday.